Good morgen, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Richard Aaron, Ben Fortune Mazal, Claude Israq, Ben Fortune Mazal, et Daniel Myriam, Bat, Elisa Sayak. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine tuile de Moucha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Seretsuka, Perik, Bet, Mishta, Bet. Asomer, Sukato, Bekar, et Amita, Kshera. Rabbi Yehuda Omer, Imena Yechola, Lamod, Bifne, Atzma, Psula. Suka, Amedouv, Lelet. Veshetilata, Meruba, Mechamata, Kshera. Ameruba, Kemin, Bait, Af, Alpi, She'en, Akochavim, Nirin, Mitocha, Kshera. Trois sujets dans notre Mishnah. Le premier, je traduis directement, Somer Sukato Bekare Amita, celui qui va appuyer, soutenir sa souka avec les pieds de son lit. Ouais, l'ismor, c'est s'appuyer sur quelque chose. Donc en fait, celui qui va mettre la souka sur les pieds de son lit. Il y a plusieurs interprétations. Et de manière générale, on va prendre celle qui est plus ou moins acceptée par tout le monde. Imaginez un lit qui a, comme c'était fréquent à l'époque, une grande tête de lit, donc devant, pas arrondi justement, plat en carré, et de l'autre côté aussi vers les pieds en carré, il y a un espace de 10 tefar. Donc ça c'est son lit naturel. Au lieu de se casser la tête, l'ami, il a fabriqué une souka, il prend son lit, il met du srar sur ses... D'accord, d'un bout à l'autre, comme ça, il prend des tasseaux, il prend des... Et puis, voilà, c'est sa souka. Il a sa souka, donc, qui a, théoriquement... Il y a quatre murs, il y a un toit, il n'y a pas de raison d'interdire. D'accord? Ouais? Eh bien, la Mishnah, malgré tout, alors justement, Bemet Tanakama, il nous dit que c'est kasher. Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda, il a un problème sur ce cas-là. Il nous dit, et maintenant, il chola la mode bifne atzma psula. Il dit, puisque la soka, ton srar, n'est pas apte à tenir tout seul, alors c'est invalidé. Soit. En fait, il y a plusieurs interprétations, ça va très... La Gemara, elle parle. Il y a une petite Gemara qui est fondamentale, en fait, pour la halakha. Je vous dirai après quelque chose qui découle de cette Gemara, qui n'est pas dans le rapport de la Mishnah. Pour le moment, on va suivre l'interprétation du Barthénois qui suit l'explication de Rashi. Rabbi Yehuda, lui, on le connaît déjà depuis plusieurs Mishnayot en arrière, déjà. La précédente, est déjà. Qu'il pense que Souka dirat keva bainan. Il faut une Souka, que ce soit un construction fixe, pas quelque chose qui soit mobile. Donc, selon ce principe, le lit, c'est quelque chose qu'on peut bouger, ouais, qu'on a l'habitude de déplacer apparemment, et du coup, tu mets un toit sur ton lit, c'est pas bon, parce que ton lit, c'est quelque chose qui se bouge, donc ta souka, c'est quelque chose qui se bouge. C'est une interprétation qui est proposée par Rashi, par le Barthénora, même si c'est très discuté, pour le moment, on se contente de ça, c'est déjà pas mal. Et donc, en fait, on a Tanakama de ce fait qui va nous permettre de le faire. En réalité, il y a plusieurs interprétations dans la Gemara. Une petite parenthèse, le fameux sujet du Mahamid. Je ne sais pas si vous connaissez la problématique de mettre son srar directement sur des barres de fer. Ça démarre dans cette Mishnah, parce qu'il y a un interprétant qui explique que le problème de Rabbi Yehuda, ce n'est pas un problème de Keva, mais que c'est plutôt un problème de Mahamid. Parce que le fait que le lit, c'est quelque chose qui véhicule une impureté, la tête de lit directement, poser directement le srar sur depuis les têtes de lit, depuis les deux extrémités du lit, donc tu soutiens ton srar avec quelque chose d'impur, c'est pas bon, il faut le soutenir avec quelque chose de... D'accord? D'où le sujet qui démarre lorsqu'on met directement le srar sur les barres de fer, qu'il faudrait invalider, mais plutôt mettre un mahamid et des mahamid, ce qu'on appelle. Faire que les barres de fer soutiennent d'autres barres en bois qui sont aptes à être un srar, et que ces nouvelles barres de bois, elles soutiendront le srar. D'accord? Et dans ce cas-là, la halakha serait établie comme Rabbi Yehuda. Il y a des preuves sur ça. Mais là n'est pas notre propos, et on continue avec le deuxième sujet de la Mishnah. Souka amedouvlelet, en fait il y a deux cas. Il y a souka amedouvlelet. Il n'y a pas de mot pour traduire ce mot de Medouvelet. On va dire qu'il est très... L'agma, elle interprète ça pas dans le sens de Medouvelet. Embrouillé, tout mélangé. Mais en réalité, c'est pas du tout mélangé. Je vais vous expliquer de quoi on parle exactement. Mais pour le moment, on fait les deux cas. Veshetsilata Meruba Mechamata, et qui a ça plus d'ombre que de soleil, alors la Souka lectura. Medouvelet, en réalité, l'agma explique que on parle qu'en fait, il prend, par exemple, on a déjà dit qu'il faut couvrir au moins 51% de l'espace, de la surface qui doit être couverte avec du srar, d'accord? Donc imaginez, vous avez 20 mètres, d'accord? Vous allez mettre des tasseaux de 5 cm, il va falloir faire 5 cm, 4,5 de vide, 5 cm, 4,5 de vide. Ce qui est ça, c'est que maintenant, en fait, il va les mettre sur deux plans. Au lieu de les mettre sur un seul plan, il met la moitié du srar kasher sur un plan, l'autre moitié sur un autre plan, et les espaces, par exemple, de
moins de 3 tfachim ou plus de 3 tfachim, peu importe, c'est vaste, mais bon. Et donc, il y a les espaces. Il s'avère qu'aucun des plans, sur aucun des plans de Srar, il a la quantité requise de Srar. Mais si on additionne les deux, on fait une projection, comment dire, latérale, j'ai oublié, on en connaissant quatrième. Donc, s'il devait les ravotrami, il devait les rabaisser. Alors là, il remplirait la majorité. La machine nous dit que c'est cachère. Même si c'est sur deux plans, un premier plan et un deuxième plan, sur chacun d'entre eux, il y a plus de lumière que d'ombre, mais les deux vont s'associer, et puis ils pourront donc fabriquer deux srar. Former un srar ensemble, d'accord? Ça, c'est mes doubles lettres. Et aussi, chez Silata Meroba Mechamata, on a déjà évoqué le sujet, mais c'est rapporté encore une fois, qu'il y a plus d'ombre que de soleil, alors dans ce cas-là, l'Ekshera, la Souka l'Ekshera, ok? Troisième sujet de la Mishnah, Ame Uba Kemin Bait. Il a fait un toit avec du srar kacher, mais on en a mis tellement que c'est devenu aussi épais qu'une maison. Il a mis quatre couches de srar. Il voit rien, c'est plein d'ombre. Alors, la Mishnah me dit, c'est kacher. Afalpi, mais bien qu'il ne va pas parvenir à voir les étoiles, c'est quand même kacher, mais a posteriori. Pour la halakha, on retient hein, sur ça, il y a le Tiferet Yisrael qui nous fait un petit résumé, qui nous dit qu'a priori, il faut parvenir à voir les lumières, les étoiles. D'accord? Au moins un petit peu, qu'il y ait un petit peu d'espace entre le toit. Malgré tout, a posteriori, même s'il ne voit rien, même si en pleine journée, il ne voit même pas ce qu'on appelle les étoiles du soleil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rayon qui parvient à pénétrer, c'est franchement bien fermé. Malgré tout, c'est cachère, mais à une condition quand même. C'est que s'il pleut, qu'il ait la pluie, qu'il parvienne à lui rentrer quand même dedans. Si même la pluie, elle ne peut plus rentrer du tout, parce que c'est tellement bien fermé, il y a tellement d'épaisseur, sans plus, alors là, la soukha est invalidée. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.